Il y avait déjà des propriétaires, il y avait de tout, quoi, il y avait de tout. Donc, ça fait qu'il y avait une mixité sociale. Partant de là, déjà, on avait un petit problème, on le disait au concierge, on le disait à la femme de ménage. C'est vrai, c'était propre, c'était entretenu. Et voilà. Puis on avait fait des petites actions avec l'association pour améliorer l'autour de l'immeuble, quoi, et autour de. Exemple, quand on est allé au Brac, quand on a fait signer la pétition pour fermer les bacs à sable, parce que c'était un dépotoir pour les chiens. On avait réussi à faire une pétition, signer la majorité des habitants, et on avait envoyé ça au service technique, à la mairie. Ils en avaient pris compte. Voilà. Que dans l'immeuble de Gauguin, il y avait une grosse association, mais une grosse, grosse. Hein. Il y avait la majorité, propriétaires, locataires, tous étaient ensemble dans le même but d'améliorer l'immeuble. Je crois qu'ils avaient gagné un procès contre la société des Chalets, d'ailleurs. Et les sous qu'ils avaient gagnés, ils avaient été refaits pour l'immeuble, quoi. C'est-à-dire, en fait, grâce à l'argent gagné, à collecter, ils avaient repeint les escaliers. Enfin, c'était du collectif, quoi. Hein. C'était pas que du blabla, hein. C'était pas pour les individus. Hein. C'était dans le sens d'améliorer le bien vivre ensemble. C'était super intéressant, quand même, comme expérience. Au Braque, déjà, on avait moins trouvé, quand même. Hein, Oui. bon, il n'y avait pas. Hein. Enfin, nous, on avait fait cette rencontre par rapport au problème que nous avions eu sur les bacs à sable. Mais enfin, bon, il y avait quand même. Voilà.